Reste numéro 34 sur la piste, Gino Alexandre de Cornillon. C'est lui qui a pris le meilleur départ. Vélas Lucas de Frontignan, Chagnon, Augustin Desponnier, Rabot Varginiac, Laurie de Saint-Victor, et Benjamin Tarascon, Ben Duchard, des hommes, et Pérard Brian de Cornillon sont sur la piste. Toujours Gino Alexandre de Cornillon en tête. La deuxième place est pour Pérard Brian de Cornillon, son petit copain de club, qui vient de se faire passer à l'intérieur. Henri Rossi l'a relancé pour tenir sa deuxième place. Donc pour l'instant, il reste toujours à la troisième place, ou peut-être même de rétrograder à la quatrième place. Vélas Lucas de Frontignan, lui, a pris la deuxième place pour l'instant. C'est toujours Alexandre Gino de Cornillon qui est à la première place. Vélas Lucas de Frontignan, donc, à la deuxième. Et c'est Varginiac Laurie de Saint-Victor qui prend la troisième place. Les deux pilotes de Cornillon, coude à coude, Gino Alexandre et Pérard Brian. Ceux qui essayent de le rattraper sont Vélas Lucas Frontignan, Chagnon, Vital et Pamir, Rabot Varginiac, Laurie de Saint-Victor, et Benjamin Tarascon, Ben Duchard. Gino Alexandre de Cornillon s'envole vers une victoire facile devant Pérard Brian de Cornillon à la deuxième place. Oui, mais sinon je ne sais pas. Vélas Lucas de Frontignan à la troisième. Et Ben Duchard, les hommes. On ne saura pas qui c'est qui roule. Si, parce que sur grand écran, tu reconnais. Ah, oui. C'est mieux quand même de. Tu prends les quatre premiers. Ah ben, faut savoir ce que tu veux, hein.